Allez, dans quelques minutes, départ du, entre guillemets, championnat du monde RGT. 1 minute 30 avant le départ. Organisé par VCN Cycling. Donc, 5 coureurs de par nation. Il y a Benoît qui vient sur le live. Hein. Désolé, j'ai pas trouvé le son de Discord. Ah bah, si vous savez ce que j'ai fait hier, 5 coureurs par nation. Pour la France, on a Benoît Cuyès, Patrick Olivo, Thibaut Boulanger, présent sur le Discord, Toto le Koala, qui est notre directeur sportif, il va nous parler un petit peu pour nous prévenir sur ce qui se passe à l'avant de la course, les difficultés du parcours, des choses comme ça, même si moi je connais déjà un peu le parcours. Mais il y en a qui sont moins habitués. Ce qui est sûr, c'est que c'est un parcours gravel avec très peu de coefficient d'aspiration, donc la course va être très physique, même dans les roues, on force beaucoup, un peu plus que sur les autres parcours. Et il y en a pour 1h, 1h05 pour les premiers, enfin 1h quoi. Donc ça va être dur. Allez, à tout à l'heure. Je vais pas se tourner. Alors c'est bon. Secondes. 5 secondes. Oh, il t'arrive par que c'est tout. Allez, viens là. Allez Laurent, faut qu'il s'accroche. Allez, pour l'instant on va être dans les roues, mais même après la bosse, il faut continuer de pousser, hein. Il n'y a pas de draft. Allez, Patrick. Allez, il n'y a que 15 mètres. Il faut le faire maintenant, l'effort. Vous êtes 4 dans le bout des gens. Il y a Laurent qui s'est un peu caché derrière. J'économise environ 70 watts dans les roues ici. Je peux en mettre une petite pour tester? Ah oui. Ah, je pense que tu vas griller des forces. Regarde, non, vaut mieux pas. Vas-y, gentiment. Juste pour voir comment ça réagit. Si t'es capable de penser à ça, c'est que c'est toi le favori. C'est mon désir. Allez, il y a Igor qui réagit. Non, je roule pas, hein. Il y a le mec dans la roue, j'en vois pas la sauce. C'est juste pour tester. Il dort ses paroles, lui. Hein, Ah ouais, il est avec moi là. On est 5. Oui, dans le sens où il finit de rouler. Hein. Il
des 400 watts pour ceux qui sont à l'arrache à l'arrière. Vous attendez pas. Vous rentrez là. Ils sont en train de rentrer. Ok. Bon, ils sont chauds. Vous êtes en sûr, non, bravo, les gens, c'est bien. Les autres pays sont max 2. Il y a max, il y a 2 Danois, 2 Suédois, 2 Australiens, etc. Allez, on va au moins une fois devant. Il y a Igor qui y va. Ceux qui peuvent, c'est le moment de suivre. Super Thibaut, maintenant t'as un relais assuré.
Adidor et Rasmus Feldballe, ils vont rouler, c'est sûr, pour se reposer. Dans le deuxième groupe, les Suédois et les Australiens, ils sont fait piéger, donc ils vont rouler forcément, quitte à sacrifier un des deux. Ça se relève très légèrement dans le premier groupe. Et combien de vent là, 80 mètres? 130. Ah bien. C'est 20 secondes. Ah oui, top si on peut avoir les écarts en temps. De temps en temps, parce que les mètres, ça trompe. Mais comment on le voit en temps? On le voit pas là? Je le fais de tête en vitesse. Ah, ok. Et là, il y a les 15%, les 17, là. Oui, c'est ça. Oui. C'est bon, il a coupé son micro, je crois. Super, toujours, continue de t'accrocher, c'est super.
Tudor qui a remis une. Quand sa barre est verte, il est à 350 watts. Bravo Thibaut. Du coup devant, Thibaut est avec Cox tout seul et derrière ça a lâché. Favori Cox là. Ah oui, on le savait, oui, oui. Il connaît super bien la plateforme et tout, donc il connaît bien la carte. Ils sont 4 en devant, c'est ça? Ils sont 5. 5. Bah, Thibaut, il a mis longtemps, mais je crois qu'il a pas mis son micro. Mais bon, de toute façon, je pense qu'il le sait. Son micro, c'est normal, et c'est pour pas nous déranger. Par contre, il l'entend, je crois. Ah, ok, ok. Enfin, je pense qu'il le sait, hein, mais qu'il ne passe pas des gros relais de port, hein, comme il a été favori. Non, non, il essaye de tenir Cops, comme tout le monde, quoi. Et c'est okay, okay. Contre le reste du monde pour l'instant. En tout cas, on est deux derrière, hein. Il y a Mathieu et moi. Là, les deux encore derrière. C'est au-dessus des 30 secondes. Ouais, c'est encore long, hein. Il y a... Ah, il y a encore 40 minutes de course, à 45. La map elle est ignoble. Oh là là. Au niveau difficulté ou beauté? Difficulté. Ah non, après le. Non, c'est beau, hein. C'est bien fait. Hein. Ah là, 180 watts d'économiser dans les roues quand même. Et c'était qu'un faux plat descendant. Ah, ils ont bien creusé devant, la vache, 500 mètres. Au devant, c'est comme c'est les autres, quoi. Il est vraiment fort, hein. C'est un enculé. Il arrive à 6, mais à la longue, s'il se calme pas, ça va être... Donc il y a 30 secondes d'écart, hein, c'est 32. 500 mètres, c'est que 30 secondes, t'es sûr? Certains, je viens de regarder au même arbre il y a 30 secondes. Ah, ok. C'est parce qu'il y avait une descente, ils étaient. Une grosse descente. Ça change tout, les mètres. Ah, ouais, ouais, ok, ok. Et il a pas dit que c'est pas possible. Le mec, c'est pas à quoi il tourne. Il est champion du monde chez les amateurs du contre-la-montre. Il a des coms juste devant ou derrière Pogacar et Roglic, hein, en Slovénie.
Là, mais je viens de croire, parce que là, il est pas fait ça, mais là, Mais c'est clairement sa stratégie. Lui, il va attaquer pour être tout seul parce qu'il sait que 1 contre 2 ou 1 contre 3, il va gagner. Donc il faut pas lâcher sa roue. Ah, il a un gros sprint. Il a un énorme effort linéaire de... Il va résister s'il se décroche d'un groupe. Il va résister contre le groupe, c'est ça que je veux dire. Et au sprint, genre si Thibaut il arrive avec lui... Et... Au sprint, je pense qu'il est battable, mais il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire qu'ils sont arrivés avec lui au sprint. Voilà, c'est ça le problème. Ok, ok. Non, ben on va attendre hein, pour l'instant. Devant, il y a un Australien dans le groupe. Donc les deux Australiens avec vous, ils vont pas rouler plus que vous deux. C'est les Noirs ? Oui, maillot noir les Australiens. Néo-Zélandais, pardon. Ah ouais, l'écart est redescendu à 200 mètres. Je refais un pointage si tu veux. Allez, 28 secondes, vous avez repris un tout petit peu. Non, bah ça va, derrière, ça roule pas top, mais on n'est pas à l'arrêt non plus. Demander si Thibaut se sent de jouer la gagne ou si Mathieu et Benoît veulent participer à la poursuite. Ah bah Thibaut il a ses chances au sprint hein. Après je le connais pas moi les mecs devant. Mais bon, si Kops a vraiment une jambe au-dessus, normalement personne ne devrait le relayer. Hein. Et derrière on devrait rentrer hein, si c'est comme ça. C'est un peu ce qui se passe maintenant devant aussi, hein. Il a dû se relever un peu là. Sauf s'il va pas emmener les mecs sur un plateau. Hein. Il doit avoir un minimum de jugeurs. Là, voilà, il fait de la zone 2 à 250 watts.
Par contre, à chaque attaque de Klopp, moi j'arrive à répondre, mais derrière, ça m'est fort attendu. Donc, quand tu vas en mettre une oreille, je pense que quand il va se retrouver tout seul, quand on fera plus que deux. Ouais, c'est faut jouer la carte, Thibaut. Nous, on surveille derrière, en essayant de courir au millimètre. Et j'avoue que je me frise pas les moustaches dans les roues. Quand tu cours au millimètre, moi, c'est au kilomètre. Là. Concrètement, je fais 700 minimum et puis on voit arriver dans la bosse raide, c'est 17%, pour pouvoir se compter. Si jamais je vois que je suis pas de fer, je vous le dis pour sortir. Là pour l'instant ça va que 145 minutes, ça se passe quoi. Les vents, ils sont tous retombés vers 150 battements. Ouais, ça revient fort derrière, vous êtes en train de revenir. Du coup, tension, Thibaut, la fin du parcours, là, attention, bah, comme s'il va, là, d'ailleurs, voilà. Parce que la fin du parcours, elle est dure, hein. Les deux petites bosses, on dirait pas, mais elles font mal. Voilà, ça attaque devant. L'écart, c'est 24 secondes. Allez, c'est maintenant. Thibaut, vas-y. Vous êtes plus que 4 devant l'Australien, le Norvégien à la fin. Donc attention Thibaut, la petite bosse qui arrive, elle a l'air de rien du tout sur le profil, mais je crois que c'est 10% maxi. Fais un pointage là. Oui, exactement. Ça va compter. Tu le voyais là-haut? Non, mais c'est la descente. Faut pas regarder les temps en mètres, les écarts en mètres. Il va dire les écarts en secondes. Toto le koala, notre déesse. Donc il y a le Norvégien à 5 secondes et puis votre groupe à 23. Ok, merci. Ah,
organiser ensemble avec tes boulangers et tout. Ouais, mais c'est tellement dur comme circuit que je peux pas faire beaucoup de stratégie. Ouais. Ah, les maillots, ils sont partout. Oui, c'est bon. Ils ont passé la ligne à 30-03. Ah oui, 30-03, regarde le temps en haut à droite. Du coup, dans la mini-boss, vous avez reperdu un peu sur la tête. Il y a 30 secondes maintenant. 34 secondes. Ouais. 34. Allez, ça y est, même devant, il dort comme d'habitude, hein. Parti dans la première bosse. Allez, c'est podium là devant. Le quatrième a lâché, avec le Néo-Zélandais a lâché. Je sais pas si vous avez vu, hein. Dans RGT, il y a des Suédois qui essayent d'organiser la poursuite. Le Danois va pouvoir t'aider normalement, hein. S'il n'est pas trop grillé, c'est aussi un bon rouleur. Bon, il était dans les roues, je crois. Du coup, devant, ils se sont détachés à deux. Il y a le Slovène et le Danois. Thibaut est derrière à 80 mètres. Allez-y, ressortez. Hein. C'est quelle nationalité devant ? Slovène et Danois. Bon, bah, les Néo-Zélandais, ils sont au moins 5 là. Ça va rouler, hein.
le maillot noir là. Thibaut, Igor, il pousse 330 watts. Le Damien va tout le temps prendre un relais, donc tu te bats contre Igor. Ouais. Ça va. Là, ils vont se mettre dans la bosse, les mecs là. Pas dans notre groupe. Ça roule pas là. Je pense que les Néo-Zélandais et les Suédois, il y en a un qui fait la poursuite et l'autre qui s'économise. Ah, on ne reviendra pas, c'est fini là. On va s'assassiner dans la bosse et derrière, rideau. Hein. C'est clair, hein, net. Si on ne roule pas là, terminé. Donc Thibaut. Lâche pas Thibaut. Contre la montre. On va faire mourir le Danois. Top 3. Gère parce que je pense que tu as des chances de faire 3ème place. Troisième voire 2ème, hein, parce que je pense pas qu'Igor va vouloir garder le Danois dans sa roue si le Danois passe Damien. Parce que ça donne le pointage, mais t'as 500 mètres d'avance. Hein. Donc Thibaut, il est 15 secondes derrière le duo. Ah, ça commence à rouler un peu là. Bon, là, il y a un Zélandais qui se met un peu à la planche. Thank you.
une vingtaine de secondes de retard pour Thibaut sur le 2. Donc il résiste bien, c'est bien. Et le groupe, c'est une minute de retard. Sur la tête. Le groupe Mathieu, ouais, sur la tête. Le Danois est en train de perdre contact devant, lâche pas Thibaut. Il va plus avoir le drap de Bigor. Thank you.
il y a 15 secondes entre Tops et le Danois, il y a une minute entre Thibaut et Tops. Et 1 minute 25, donc il y a 25 secondes entre Benoît et Thibaut. Le Danois il s'est calé sur 280-300 watts à peu près. On poursuite derrière toi, Thibaut. Allez, Benoît, allez. J'essaie de rentrer. Ne vous fiez pas la distance qui augmente, hein. Ils sont devant, ils sont dans la descente. Je suis là, Thibaut. C'est quoi la strat? Faut être fin parce que derrière ça arrête. Ouais. Thibaut tête de nous avec ce qu'il reste de nous. Ouais, rouler à bloc tous les deux. Hein. Et 7 secondes derrière. Allez, je relance. J'arrête de pédaler. Thank you.
Merci Benoît, attaque. Bon bah je vais essayer de contrer, hein. T'es obligé. Ah ça va rentrer. Pour le contreur on contre. Quarante secondes sur le deuxième. Complètement bouché le trou. Les cuvettes qui arrivent, prenez de l'élan. Toujours 40 secondes par rapport aux Danois.
une trentaine de secondes par rapport aux Danois, vous reprenez au fur et à mesure dans le groupe derrière. Mathieu va jouer les sprints, je ne sais pas si Benoît tu veux anticiper avant, c'est comme tu veux. Ouais. Tu peux. Ça, je vais voir. C'est là l'épingle. Il y a combien de secondes avec le Norvégien? Je suis en train de regarder. Ouais. Ouais. Un peu trop pour que vous le repreniez. Je sais pas, je peux me mettre 30 secondes à bloc là. Fais-le pour le podium. Bah, je roule, Mathieu. Tu veux que je roule là, c'est ça? Non, non, c'est moi qui roule là. Je te fais le dernier kilomètre. Il y a la bosse, attention, ouais. Ah, mais je vais lâcher, mais je choisis. Je suis parti. On va réussir à le reprendre. Voilà. Il y a encore 25 secondes d'écart entre le Danois et vous. Voilà. Allez, Mathieu, accroche. Je vais m'écarter là. Allez. Je vais mettre un petit gaz en plus. Allez,
c'est la troisième place. Vous ne reprendrez pas le Danois. Allez, après. Ça va être lancé, hein. Merci. Je vais faire 4 demain. Et on revient à... On revient à 3 minutes. Oh putain. Je ne pas grand-chose. Oh, je pétais quand tu disais... Quand tu disais que tu allais péter, je pétais en même temps. Et je pouvais pas parler. Ah, ils ont encore un peu coupé, j'ai réussi à refaire un effort. Ah putain, les Néo-Zélandais, ils étaient 4, ils sont pas même pas à la 3ème place. Ah la vache. Bon bah bravo, il y a eu une belle course de Thibaut déjà. Puis à la fin il y a eu quand même des mouvements. C'était intéressant même s'il n'y avait aucune chance de victoire. Mais dommage que ce soit un parcours aussi dur pour le collectif. Ça dissuade un peu les attaques. Cops qui dit ça fait mal, mais heureusement, parce que si en plus ça faisait pas mal. Ah, j'étais dans la roue à Cops, enfin pas loin, et Thibaut a giclé, je sais pas. Je me suis dit, on va rentrer, c'est sûr. Bah, moi, c'est pas ce que je me suis dit, parce que je sais que Cops, si tu peux, faut y aller, mais je savais que si j'essayais dès le début, j'aurais sauté bien plus tôt. Ah, j'ai pas osé tout mettre pour le suivre. Puis comme Thibaut était dans la roue, j'ai fait bah c'est bon. Ah oui, au début de la première bosse, quand j'ai vu Igor, j'ai fait c'est le moment. Si... Ah ouais, ah, je sais pas si. Dit... Ça faisait long hein, quand même, hein. Il faut voir. Ça fait loin, mais Mathieu, il sait. Genre,